Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour dans ma maison, la maison de Maggie et Nouki. Bon, bah, encore un haul que je vais appeler unboxing parce que je vais découvrir avec vous, même si je sais ce qu'il y a dans ce carton. Donc, là, j'ai un gros carton devant moi. Il est là. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà! Il est là, ce gros carton. Je sais pas comment je vais vous faire, enfin, vous montrer que je l'ouvre. Enfin, j'ai découpé là. Et en fait, il y a un truc dedans. Un gros truc. Par contre, je sais pas s'il y a toute ma commande. Bon, c'est un unboxing craftelier. Bah, écoutez, je vais déballer du carton et... Et je vous le montre ensuite parce que là, ça va m'être un petit peu compliqué. Donc, je reviens de suite. Et ouais. En fait, j'ai reçu le carton, j'y m'y attendais pas du tout. Parce que j'ai pas eu de mail comme quoi la commande était expédiée et était en cours de livraison. J'ai pas eu d'information. Alors, pour moi, tant mieux, j'étais à la maison, c'est la grosse surprise. Et donc c'est donc une commande de craftelier. Donc j'ai la petite carte qui est abîmée, c'est dommage. Mais bon, j'ai la petite carte, nouvelle petite carte qu'ils envoient à chaque fois. J'ai le droit à ma sucette. Et donc voilà, j'ai pas commandé grand chose, mais une grande chose. Alors je me suis pris juste... Alors, merci Lucille de la chaîne YouTube de Jolie Chose. À chaque fois, je craque. J'ai craqué pour autre chose aussi. Elle m'a donné l'envie. Et là, cette fois-ci, c'était pour ça. C'était pour la Sew Easy. Donc, qui permet de faire des coutures. Donc, on fait un point de couture. On perce, en fait. C'est juste pour perforer. Et ensuite, on enfile le fil. Donc là, c'est un... tout droit, je pense. Il y a plusieurs recharges, elles sont toutes là, voyez, là. Moi j'en ai pris une pour commencer parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pris celle-ci, voilà. Donc en fait, ce sont des petits points. Ah ouais, mais bon, je sais pas ce que ça va donner parce que c'est pas des trucs métalliques, on dirait que c'est des trucs en plastique. Bon, on verra. Ah, en fait, scallop, c'est en feston, voilà, en français. Et en espagnol, c'est escalopa, escalope. C'est marrant. Ok, et là, c'est les points, rien, tout droit. Ils sont tout droits. Comme ça. Yeah. Alors le prix, ben, j'essaierai de vous le mettre dans la vidéo parce que je ne les ai pas avec moi, je ne les ai pas sous les yeux. Je me suis pris, grâce à Alexandra Scrap, cette petite palette. Donc c'est c'est Prima, hein, il me semble, ouais, c'est de Prima. C'est des aquarelles métalliques. Métallique pastel accent. La palette, elle se présente comme ceci. Et les couleurs sont juste sublimes. Alors, je sais pas si on va vraiment voir ce que ça donne dans la... Comme ça, à l'écran. Un petit peu, hein, vous voyez. C'est métallique. On va voir un petit peu comme ça. Et franchement, je l'ai vu cette palette et je me suis dit, me la faut. Hein. Comme si j'avais pas assez de... acheter assez de choses comme ça. Alors, avant de vous montrer le très gros, enfin pour moi, le très gros, en tout cas pour moi, achat que j'ai fait donc chez Craftelier, je vais vous montrer un petit truc que je me suis commandé, je ne sais plus le nom du site du tout. J'essaie de vous le retrouver. Je me suis fait faire des stickers ainsi que des cartes de visite. Mes cartes ne sont pas encore arrivées parce qu'il y a un petit truc à refaire pour faire la configuration avec mon Photoshop. Est-ce que vous voyez quelque chose, hein? Je suis en train de me dire, ouais, ça va.
Ça va, il y a de la lumière, mais... je me suis fait faire ces petits stickers, donc à mon effigie. Enfin, l'effigie de ma chaîne. Voilà. Donc j'en ai, je sais plus combien. Ils sont tous logés là-dedans, ce petit machin. Et bah voilà, pour mes envois, pour vous les mettre dans les... Quand je fais des envois, ben, ça me fait rire et c'est mignon, voilà. Donc ouais, je trouvais ça joli. J'en avais quand j'étais créatrice de bijoux et bah, c'est pas mal, ça personnalise et ça identifie les créations. Alors, comment je vais m'y prendre? Alors, je vais essayer de retourner la caméra dans un premier temps. Donc, on y va. Donc, j'ai craqué pour la machine à écrire de We Are Memory Keepers Rose. Voilà, ça fait un moment que je l'attendais. Donc, je vais la déballer et je vous montre ça. Alors, voilà, je l'ai déballée. En revanche, j'essaie de comprendre des trucs parce que je ne comprends pas tout. J'avais ça. J'avais ça avec, mais je ne vois pas du tout ni du comment, du pourquoi que ça se branche. Ça, je ne sais pas du tout. Je vois pas, je crois pas qu'elle se branche. Hein. Je sais pas. En tout cas, les personnes qui l'ont peuvent m'aider. Bon, après, voilà, c'est très joli. C'est un rose blush. Hein, c'est pas un rose. Alors, par contre, vous voyez, elle écrit pas, ça avance pas. Bon, il faut que j'étudie le truc. Hein. Je vais regarder le schmilblick là, la note d'emploi. Hein. Mais voilà pour la petite machine. Donc, ça, c'est bien pour le journaling, etc. Donc, attendez, je vais revenir. Ce sera mieux pour vous discuter, pour discuter avec vous. Donc, bah, je suis super contente parce que ça faisait un moment que je la voulais. J'aurais pris la blanche, mais là j'ai vu qu'il y avait la rose de sortie, donc j'ai préféré attendre la rose, enfin qu'elle revienne dans les stocks chez Craftelier. Donc ouais, je vais m'en servir notamment pour les journaling dans les albums et dans les pages, c'est vachement sympa. Et voilà, bon par contre je sais pas, j'arrive pas à la faire fonctionner. Il y avait déjà une feuille dedans avec des écritures, donc c'est qu'ils l'ont testé je pense. Faut que je voie avec eux. Donc là ce soir je travaille, donc voilà, demain je travaille pas, je vais revenir petit à petit. Là chez moi c'est le souk et je n'ai pas apporté tout ce que je me suis acheté à Nantes parce que Alexandra va m'envoyer ça en mondial relais. On va faire des mondial relais pour en 2 ou 3 cartons. Parce que dans ma valise ça tenait pas et j'ai quand même ramené quelques petites choses. D'ailleurs, faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté chez Kerglaz. Tant qu'à faire. Hein. Je vais vous montrer tout ça, j'arrive. Je vais vous faire Casa, la maison du monde, Kerglaz. C'est Noki. Kerglaz et Bureau Vallée. Il n'y a pas trop de choses. Donc finalement, hein, ce sera un haul. Alors... Chez Maison du Monde, j'ai trouvé juste trop joli ces petits trombones en forme de je ne sais quoi, enfin de drapeau là, de cœur, de je sais quoi et love. Donc, ils sont dorés, argentés, rose gold. Je les ai payés 4,99€. Nuki, tu fais du bruit bébé, viens là, viens, Nuki. Viens là, viens là. Il va venir normalement. Il est fou de moi parce que je l'ai laissé. Ah non, là, il est dans le sac, là. Bon. Autant pour moi, autant TEMPS. Vous allez vous dire, je suis gogole. Hein. Mais je suis dans mes délires, en fait. Et après, je sais qu'il y a une personne qui va rire, plus ou moins. Mais c'est pas du private joke du tout. C'est juste que autant je l'écrivais pas comme ça, j'écrivais autant A-U-T-A-N-T et ça s'écrit autant T-E-M-P-S. J'ai appris une chose et voilà. Alors, Nuki se demande à qui je parle. Nuki, viens, on parle aux abonnés. Viens dire bonjour. Il veut pas. Bref, je continue mon haul et j'arrête de partir dans mes montagnes. J'ai pris, donc toujours chez Maison du Monde, alors pour 6,99€, hein, 7€ les 3 washi. C'est plus ou moins cher, mais c'est pas grave. Enfin, c'est du masking tape.
Ils appellent bien ça du masking tape, hein. C'est le nom en fait. Hein. Washi, c'est une marque et je pense que masking tape aussi. Ça a pris la marque a pris le nom du produit, mais c'est du masking tape, ce qui veut dire scotch de masquage. Ouais, ouais. Enfin, ruban, enfin bref. Donc en tout cas, ils sont bien jolis. Ah, vous avez peut-être vu nous qui... Alors, par contre, vous n'allez rien voir du tout. Ceux-ci, ce sont des feuilles ou des plumes. Ils sont vraiment très très jolis. Vous les reverrez peut-être quand je les utiliserai dans des créations parce que là, la luminosité n'est pas terrible. Je me suis pris cette petite coque pour mon téléphone. Donc avec un petit peu plein de petites des fleurs, des flamants roses. Je l'ai payé, je crois, à 7 euros, il me semble. 6,99. Je me suis pris aussi ces paperclips. Alors la boîte, elle s'est complètement... complètement destroy dans les bagages. Mais en gros, on a un cactus, un palmier et un flamant rose. Voilà. Je sais pas combien il y en a de chaque. Je crois qu'il y en a deux de chaque. Enfin, il y en avait trois, mais j'ai partagé. Oui, oui, j'ai partagé. Je me suis pris ce petit cahier pour 4,99€. Je vous ai dit le prix des petits machins. Ils ont coûté 3,99€, ceux-là. Donc, un petit cahier pour 4,99€ parce qu'il y a écrit « Pink is my happy color ». Et c'est un peu trop vrai, quoi. Donc, je l'ai trouvé trop joli. Par contre, il s'est bien abîmé pendant le trajet. C'est dommage. Donc, il a les lignes. Et les pages sont très satinées. Sont sympas. Ouais. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je t'en trouverai bien utilité. Ça, je vous le garantis. Et à nouveau, chez Maison du Monde, j'ai trouvé ces tampons. Cette petite planche de tampon qui est plutôt sympa. Pour le prix de 7 euros. 6,99€ plus précisément. Donc j'ai vu des tampons chez Maison du Monde. Des tampons clear. Je me suis dit non, il faut que je les prenne. Non, ils sont vraiment jolis. Ça peut servir. Et franchement, je suis plutôt contente. Vous n'avez rien vu. Voilà, voilà. Ensuite, chez Casa, je sais pas trop comment vous dites. Alors, j'ai pris ces petits pics avec des nœuds au bout. Ça m'a coûté 1,99€. Je me suis pris ces mini enveloppes. En fait, c'est pour les accrocher à les... Vous savez, il y a des petits... Il y a un petit trou. C'est percé, vous voyez, en haut, là. Donc, j'ai pris celle-ci. Celle-ci. C'est les mêmes. J'en ai pris deux pareils. Deux comme celle-ci. Et une comme celle-ci. Et c'est 1,29€ chaque planche. J'ai pris des... Hop, j'ai pris des rubans. Donc un gris à pois argenté et un blanc. Pour... Mince, il n'y a pas écrit le prix dessus. Flûte. Bon, normalement, il y avait toujours écrit le prix. J'ai pas le ticket avec moi. Bah, désolée, je n'ai pas le prix pour les rubans. J'ai pris deux petits paperclips que j'ai trouvé juste trop mignons pour 1,49€. Deux petits nookies. Enfin, un nookie et une nookette, on va dire. Donc voilà, je me suis pris ce petit porte-nom ou porte-photo en forme de nookie. Franchement, il n'est pas trop mignon. Hein. Non, mais il est trop chou. Hein. Il m'a coûté... 1,99€. Là, Inoki dort. Il fait que de dormir, ce chat. Que de dormir. J'ai trouvé... Alors, j'en avais un blanc. Un blanc, mais... Naiko, le chien d'Alex, il l'a un peu bouffé. Mais c'est pas grave, parce que je l'ai pris. Je sais pas si je me servirai de celui-ci. C'est pour avoir le gabarit
Donc en fait, on a la... Vous voyez, là, on a un soufflet pour faire le petit sac à cadeau. Ou un enveloppe, ou quoi que ce soit. Enfin, on peut faire un sac. Hein. Il s'ouvre comme ça. Mais ça peut être sympa, ça, à envoyer. Donc, je l'ai pris pour avoir le gabarit. Et je l'ai payé, je ne sais plus. Je n'ai pas le prix. Désolée. Ah, si, peut-être là. 1,49€. Quand même, hein. C'est vrai que pour ce que c'est, mais bon, c'est pas très grave. Ou chez Casa toujours. Hein. Je me suis pris des mélangeurs à cocktail. Donc ça, c'est vraiment pas pour le scrap. Hein. C'est pour mes mojitos en forme de cactus. On en a défoncé des plus clairs. Non, mes mojitos ou autre chose. Hein. Même mon café au lait, je le mélange avec des choses comme ça. Donc, je me suis pris des moules à glaçons. En forme de cactus. En plus, c'est un cactus avec des moules à glaçons en forme de cactus. Pour 4,99€. Et les mêmes en forme d'ananas. Et je vais vous faire de jolis paperclips avec. Vous allez voir, ça va être sympa. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc voilà. Ensuite, je suis allée... Alors, on est allée chez Bureau Vallée. Notamment pour les quelques stylos que je vous ai montrés l'autre jour. J'ai acheté des rangements qui sont très sympas, mais que je vous montrerai quand je les aurai reçus, puisqu'ils vont arriver par Mondial Relais. Mais je voulais vous montrer, j'ai trouvé des stickers trop mimi. Alors les prix, je ne les ai pas bien sûr. Regardez-moi ça. Ce sont des bébés licornes. Ensuite on a celle-ci, cette planche-là. Qui est juste trop mignonne aussi. Et celle-ci. Donc on en a trois quand même. Bon là on a plus des petits poneys. On a une licorne là. On n'a pas que des licornes. On a des petits poneys. Mais bon, les autres elles sont trop mimi. Mais vous me direz, c'est pas vraiment des licornes tous. Ils sont pas tous la corne. Hein. En fait la licorne c'est juste la rose. Regardez. Les autres ce sont des petits poneys. Elle c'est une licorne. Mais les autres ce sont pas des licornes. Bah c'est normal, hein, la rose c'est la meilleure. Et j'ai pris des petits chats. Mais je pense qu'il n'y a pas que des petits chats, puisque là on a les chats. On a même des petits chiens. Après, bah oui, on en a d'autres, mais on a des chats, des chiens. Oh mais ils sont trop mignons. Pour mon album sur Nookie, ça va être sympa je pense. Et là, on a que des petits chiens, par contre. Ça, ce serait bien à offrir à Eternity pour toujours. Avec les chiens. Donc ça, et puis je me suis pris une pochette A5. Qui s'avère très pratique parce qu'en fait, vous voyez, elle est en format A5. Et à l'intérieur, hop, elle a plein de petits... compartiment bon, pour ranger les stickers ils sont déjà bien tous rangés mais pour ranger des choses c'est très pratique hein. Donc puis il est super joli, on voit la matérialiste. Voilà, ensuite on est allé chez Carglass dans l'entrepôt en fait. On fait comme si on faisait une commande sauf qu'on l'a fait en live en direct. Et elle nous met les articles sur notre compte internet. Elle nous passe la commande via ce site. Enfin, c'est Hélène est vraiment très très gentille. Hein. Je crois que c'est la gérante Hélène. Elle est adorable. Adorable. Donc au départ, j'y suis allée pour 7. Hop. Pour 7. Oh, par contre, j'ai pas les prix non plus. J'essaierai de vous les mettre en. Noté là, mais je suis désolée. Enfin, j'ai payé 19€. Cette perforatrice, en fait, en forme de pellicule et de film, voilà. En fait, c'est Alexandra, elle m'avait fait une carte avec cette perfo. Elle est tellement belle et ça rend super bien pour les couvertures d'albums, etc. Et j'ai voulu la même. Donc, au départ, j'y suis allée pour ça. Et puis, finalement, je me suis acheté également... Hop là, il est arrivé. Ce petit tampon qui est juste trop mignon.
Il y a écrit Enjoy Life là-dessus, ici. Et là, Moments. Le prix, bah, je ne l'ai pas. Je suis désolée, je n'ai pas le prix. Je vais essayer de les retrouver, mais ce n'est pas sûr que je puisse les retrouver. Donc, je suis désolée si je ne les retrouve pas. Et après, il suffit d'aller sur le site de Carglass et vous trouverez tous les articles, hein, s'ils sont toujours disponibles. Je me suis pris cette petite planche de tampon qui est toute mignonne. Voilà, c'est mignon. J'ai bien aimé la petite tête là, de la licorne et puis le petit atout, hein, le petit nuage. J'ai trouvé ça trop mignon, voilà, tout simplement. Et j'ai craqué parce que j'ai trouvé ça trop mignon, tout simplement. Non mais je craque facilement, hein, vous avez remarqué. J'ai pris des petits enamel dots. Même si on a les nouveaux, ça ne fait pas tout parce que, par exemple, les enamel dots, on peut pas les faire comme ça. Et les nouveaux, c'est pas vraiment des. Les nouveaux, c'est des boules en fait. Hein. Moi, j'arrive pas à faire des enamel dots vraiment plats comme ça. Je sais qu'il faut tapoter en dessous. Oh, excusez-moi, ça y est, ça reprend. Il faut tapoter en dessous. Mais même en tapotant en dessous, franchement, je. Et je me suis pris ces napperons en forme de cœur. Et je crois que j'en ai déjà, mais c'est pas grave. Il y a des gris, des roses et des rouges. Enfin, blanc ou gris. Non, c'est un gris. Hein. Dans le fond, c'est du gris clair. Voilà, et je me suis pris des anneaux. Je vais vous les montrer quand même. Mais c'est bête parce que j'ai pas les prix. Des anneaux pour... Bah pour les reliures ou pas, parce que moi j'ai besoin d'anneaux pour oh là là, pour ranger mes dies. Je range mes dies avec dans des anneaux, enfin je sais pas si vous voyez. En fait, hop. Donc je m'en suis pris 4 deux grands, deux très grands, 4 moyens. Ça pour des albums, c'est immense, hein. Mais en fait, je mets mes dies dessus. Ah, par contre non. Là, c'est pas un moyen, c'est encore un plus grand. J'en ai pris 4. Ah, attendez, hop. Ma mince, alors. Je me serais trompée. Là, j'en ai que 3. Non, bah, ça a l'air d'être ça pourtant. Il est un petit peu plus grand, on dirait, mais non. Donc voilà, 2 très grands, 4 moyens, 4 un peu plus petits, ceux-là peuvent servir pour les albums. Et hop, 2 noirs, qui peuvent éventuellement servir aussi pour des albums. Voilà. Voilà, voilà. J'aurai un haul, la fée du scrap à vous présenter également. Mais là, j'attends, je suis en contact avec donc Lydie et j'attends de voir ce qu'on peut vous proposer. Voilà, voilà. Je crois que ce qui va arriver en Mondial Relais, je vous ai déjà tout montré. Il me semble qu'il n'y a que du action. Je crois. Vous devez en avoir marre des hauls. Hein. Moi, j'en ai marre. Là, franchement, je me calme parce que j'ai énormément dépensé. Et en plus, ben, je veux créer. Il faut que je range tout mon bazar parce que c'est pas vivable du tout ce bazar. Je peux pas. Et j'en ai marre de moi, j'en ai marre d'acheter, hein, je vous assure. Hein. Faut que je m'achète mon meuble là, c'est tout. Voilà. Donc je vais me mettre à créer quand même parce que bah, ça me manque, hein. j'en ai très très envie. Et hâte de tester tout ce que j'ai. Je vais pas avoir le temps de tout tester en un an. Bref. Alors je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées qui sont arrivées il y a pas longtemps. J'en suis à 1100 et quelques. Hein. Donc merci beaucoup, bienvenue, je suis ravie donc de vous accueillir sur ma chaîne. Et je vous assure, je ne fais pas que des hauls et je vais vraiment me calmer. Je vais vous mettre en place un concours, mais j'attends d'avoir ma boîte postale, ça ne devrait pas tarder. Comme ça, alors celles qui ont déjà mon adresse, bon bah elles peuvent la garder. Mais les personnes qui n'ont pas mon adresse, je ne donne plus mon adresse, je la mettrai ma boîte postale en barre d'information. Comme ça, vous pourrez m'envoyer ce que je vous demanderai pour mon concours. Ça arrive très vite, très très vite, je vous promets. Et j'espère par contre que
Normalement, non, parce que j'en parle pas dans les titres, etc. Hein, mais bon, juste que les personnes qui sont arrivées récemment ne se sont pas abonnées juste en vue du concours, ce serait vraiment dommage. Après, c'est dommage pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour moi. Hein. Moi, ça me fait plaisir que vous vous abonniez, mais j'espère que c'est vraiment parce que vous appréciez la chaîne. Et voilà, bon, après, c'est pas grave, tant pis. Mais je dis tant pis pour vous, même pas pour moi, tant pis pour vous. Voilà. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup. Il faut que j'aille m'acheter à manger, enfin, des petits gâteaux pour ce soir. C'est ma première nuit ce soir, donc au boulot. Et voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très très bientôt. Si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. De toute façon, je reviens très vite. Allez, ciao ciao. À bientôt. Kiss me with your eyes.